Bon matin à toutes et tous, on se retrouve pour le message de ce mardi 18 janvier 2022. J'espère que vous allez toutes et tous bien et aujourd'hui, eh bien j'ai pigé l'évolution. On peut voir sur la carte un magnifique papillon. Alors le papillon c'est une transformation avec la chenille, n'est-ce pas? Et l'évolution est une transformation. Et bien de tous les jours, de tous les instants. Vous n'êtes pas la même personne qu'il y a, allez, je vais dire, un mois, un an, 5 ans, 10 ans. Et c'est tant mieux, n'est-ce pas? La vie, les années, les expériences accumulées, le recul sur les événements passés, eh bien, ont modifié votre manière d'être, votre manière de penser, d'envisager l'existence. Elles vous ont fait évoluer, et peut-être même sans que vous ne vous rendiez compte de cela. Intégrer la symbolique du papillon. Au début, eh bien, il est une petite chenille, n'est-ce pas, qui va s'enfermer plusieurs mois dans un cocon avant de ressortir sous un jour nouveau, riche de votre vécu et de votre futur, eh bien, vous évoluez et vous vous élevez psychologiquement, eh bien, pour devenir chaque jour plus serein, flamboyant, plus heureux, heureuse. Tout ça avec les expériences que vous avez vécues jusqu'à aujourd'hui, dont vous avez évolué. Il y a des expériences que vous avez faites et que vous ne recommencerez plus, donc vous avez évolué, vous avez appris. Je dis toujours, il faut être pris pour être appris. Et vous avez évolué. Vous avez peut-être fait des expériences négatives, qui étaient négatives. Mais vous avez évolué, vous avez expérimenté. Et cela vous a transformé. Petit rituel, eh bien, accordez-vous quelques minutes, fermez les yeux, respirez, visualisez le film de votre vie jusqu'à aujourd'hui et prenez conscience de toutes ces expériences accumulées et de ta si belle évolution. Soyez fiers. Soyez fiers de ce que vous avez intégré. Soyez fiers de ce que vous avez surmonté. Et soyez fiers de ce que vous êtes devenu. Cela vous a façonné et fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui. Quelqu'un de rare,
et unique. Et de fait, n'oubliez pas que chacun évolue à sa manière, à son rythme, à lui. Quel beau message, vraiment. C'est aussi un très 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 beau message. Waouh. Là, moi, ça me parle, hein. Vraiment. Ça me parle. Et je vais vous dire, ça me parle parce que il y a des personnes qui me disent « Tu n'es plus la même. » Non, c'est vrai. Je ne suis plus la même. J'ai évolué avec ce que j'ai vécu. Je me suis transformée. Et on ne peut plus être la même lorsque on a traversé des épreuves. Donc oui, je ne suis plus la même qu'avant. Le message lumière, le choix, j'ai pigé le choix en ce plan de vie sur la route du retour à la source. J'ai deux choix, le chemin de l'amour et de l'acceptation ou celui de la peur et du combat. En toute liberté, lequel choisirez-vous ? Voilà, nous avons deux chemins et allez, on va pas se mentir, hein. Moi, je prendrai le chemin de l'amour et de l'acceptation. Je pense que vous allez faire pareil, n'est-ce pas ? Je vous souhaite une excellente journée. Merci de votre écoute. On se retrouve demain pour un nouveau message. Et je vais quand même terminer par « Mets de la lumière dans ta vie, sois optimiste, lève-toi le matin et remercie, eh bien, remercie l'univers pour la belle journée que tu vas passer. N'oubliez pas que tout passe par la pensée, dites-vous ça tous les jours. Mets de la lumière dans ta vie, sois optimiste, lève-toi le matin et remercie pour la belle journée que tu vas passer. Je vous embrasse, à demain.